Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, bienvenue de retour sur The Binding of Isaac. Et aujourd'hui, on va se faire un challenge. Attention, voyons ça. La roue tourne. Qu'est-ce que ce sera? Ah. Computer Save V. Le 16. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Computer Save V. Computer Save. Ou Sowi. Ou Save. Computer Save V. Allez. Sors-nous une grosse merde. Oh. 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 Un challenge facile, enfin. Yes. Donc on a quoi? On a technologie 1, technologie 2. 1 de vitesse, 23 de portée. La portée, on s'en fout. La cadence de tir, on s'en fout. Enfin, on s'est juste pour technologie 1. On a que 2, 27 de puissance, par contre. Et c'est tout. Et oui, et on a la cuillère tordue, c'est tête chercheuse. Donc, la tête chercheuse, technologie 1 et technologie 2, c'est franchement gratuit. Voilà, c'est gratuit, évidemment. Hein, voilà. Quand on joue normalement. Est-ce que tu peux mourir, s'il te plaît? Donc là, ça va être... Oh, un bonheur à jouer, enfin. Enfin, par contre, on doit aller que jusqu'à maman, donc le plaisir sera quand même de courte durée. Mais c'est cool, quand même. Ah, on va se marrer. Ça marche, Spectra Tir, avec les technologies. Je sais pas. J'en sais rien. J'en sais rien. En vrai. Tiens. Je sais pas. Donc là, bah, ça va être l'assurance de réussir un truc tranquille. Putain, je vais pas m'énerver, enfin. Et non, entre les trois parties d'hier, le daily challenge de ce matin pour moi offline, et cette partie-là, on va... Putain, mais... Mais est-ce que le jeu serait gentil avec moi? Mais oui! Un Tixi Zen, c'est un truc improbable! Mais je suis quelqu'un de zen. Je suis quelqu'un de zen. T'inquiète pas. Tout va bien se passer. J'aimerais bien ça, quand même. C'est bon, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que... Oh, putain, mais... Le jeu même. Oh. Et qu'est-ce qu'on nous donne comme objet? Ça. Oh, j'en veux pas. Un autre truc. Oh, et puis un truc à 7. Oh, le sac des sacs. Le sacro-sac. Et 2 des... 2 of spades. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est un run zen. On est bien. Détendez-vous. ASMR. On va se faire un run ASMR. On va se défoncer, famille. Merde, j'ai plus de bombes. Et il y a un rocher marqué. C'est pas grave. Détendez-vous. Mangez un bout de camembert dans votre micro. Waouh. Ah. Ouais. Petite pensée. Petite pensée pour une vie qui mâche sans doute devant son écran. Hop, c'est bon, on y est. Let's go. Toujours pas compris c'est quoi la ASMR, même après avoir vu des vidéos. La ASMR, c'est une technique de torture psychologique. Non. C'est un phénomène biologique. C'est comme le... C'est cette sensation parfois de mélange d'auto-hypnose. Et de on va dire de bien-être profond. Tu sais, où t'as des... Merde! Non, j'ai dit que je m'énervais pas. T'as des frissons. Juste le fait de faire des petits objets, de faire des petits gestes ou d'entendre des choses calmement. Enfin, c'est un état de relaxation, en fait, voilà.
Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des petits bruits à cause de ça. Enfin bref, c'est quand même assez ridicule, quand même. Mais bon. C'est se faire du bien en se touchant. Ah là. Écoute l'ami Spawn, il a toujours les bons conseils. Mais je suis bien. Je suis détendu. C'est un run tranquille. Le run détente. C'est le run point P. On va se détendre, le périmé. Voilà, petit boss monstre. On va même utiliser la tour, parce que j'ai confiance. Mais ça l'a pas touché. Ah! Ça, c'est Pornhub. Oui, mais c'est aussi la SMR. La SMR, c'est Pornhub. Pornhub, c'est la SMR. Bon, il peut mourir, là, sans déconner. En fait, j'ai vraiment pas de puissance, hein, c'est ça le truc chiant. Spawn, c'est un poète romantique, troisième dan. Ah, regarde, même le jeu se fout de ta gueule. Ok, hop, la main. Voilà. Oh, est-ce qu'on le prendrait? Ouais, allez, on prend, comme une conception. Quand je me fais toucher, j'ai une chance de spawner des familiers. Cool. Allez, on va voir ce qu'il nous donne, ce qu'il propose en vente. Oh, c'est pas frappadingue, hein, tout ça. Ace of Clubs, non, bah tant pis. Allez, ah oui, j'ai pas le... J'ai pas le... Le treasure, le treasure. Putain, on est détendu. Ah bah non, je suis con, y a pas de trésor, c'est un challenge. Bah vas-y, une petite défuse au cas où. Hop, plein de clés, plein de tunas, la vie est belle. Mes amis, vous avez aujourd'hui un Tixie transformé. Un Tixie beau et zen. Mais vous inquiétez pas, prochaine game, je redeviendrai méchant. Rétrovision. Full Earth. On s'en fout. S'il te plaît. Merci. Ah, Ainsel Elia qui arrive. Qui arrive pour la zen. Pour la run zen. Bonjour. La question, tu joues avec les joysticks ou les boutons? Les joysticks. Principalement. Principalement les joysticks. Les boutons. Quand c'est... Enfin, très rarement les boutons, je les utilise principalement quand c'est du Epic Fetus, du Fetus, du Fetus ou même des fois du Brimstone. Mais sinon, j'utilise quasiment jamais les boutons. Merci. Qu'est-ce que tu me proposes? Allez, une petite blue map. Voilà, qui va me montrer les salles secrètes et hyper secrètes. Et je suis en week-end. Waouh. Ça veut dire que demain, je peux commencer à crafter... Poiscaille. À crafter Poiscaille. Bien ce que j'ai lu. Ça veut dire, tu vas à la pêche? Ça veut dire quoi, crafter Poiscaille? C'est qui ou c'est quoi, Poiscaille? Parce que... Ou alors, c'est une expression que t'as inventée? Mais crafter Poiscaille pour aller à la pêche, c'est pas mal. Je trouve. Ah! Poiscaille, c'est le nom du magnifique lance-roquette de Jinx. D'accord. C'est pour ça que je ne connais pas... C'est pas mes jeux à moi, ça. C'est pas mon moi. C'est pas mon grand kiff. Mais je ne m'énerverai pas, je ne dirai pas que c'est un jeu de merde. Parce qu'aujourd'hui, c'est un run zen. Ah, ouh, ouh. Un petit bombe. Mais énervez-vous tant que vous voulez. Moi, je suis zen. Ok. Sinon, petite news.
Petite news, il n'y aura plus, pour l'instant, enfin pour les quelques jours à venir, il n'y aura plus trois vidéos, mais deux vidéos, deux VOD par jour sur la chaîne YouTube. Parce que... Oh, Chilled Tears, j'aime bien ça. Tout simplement parce que... parce que j'en ai plus assez de vidéos. Je commençais à écouler le stock. Putain, mais la vache, mais il y a beaucoup de choses, hein, de planquer dans les... Cool. On a rattrapé le retard. Ou du moins, on a creusé l'écart. On a rétréci l'écart entre VOD et stream. Donc... ralentis la cadence pour pouvoir avoir pour pouvoir vous donner du contenu de 2 à 3 vidéos par jour sans m'arrêter. Je suis quand même gentil. En vrai, je ne joue plus au jeu depuis un bail. Ah. Je comprends. J'ai pas beaucoup de puissance. Ça m'embête un peu tout ça. Ça me chafouine, oui, parce que je ne suis pas stressé aujourd'hui. Donc ça me chafouine. Ça me casse pas les couilles, ça me chafouille. Ah, Chilled Tears en plus me protège. C'est beau quand même. C'est beau tout ça. Faut juste les persos cool à faire en cosplay. Le talent du cosplayer. Aïe! Allez, meurs! Voilà. À quand un petit cosplay d'Isaac? Oh merde, trop plus. Oh merde. Ben, je vais un peu vite. Oh non, 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 non. Voilà, doucement. Les feux, on les éteint. Mais non, je m'énerverai pas. Je garde le sourire. Allez, soyons shonen. Le pouvoir de l'amitié, sourire niais. Et gentil, tout ça, machin. Les méchants ne vaincront pas parce qu'ils sont pas gentils. Oh putain. Ah, ça c'est bien ça! La puissance augmente avec la distance. Qu'est-ce que c'est? Ça a pété. Sauf que pour Jinx, faut pas être très gros. Ah. Faut même être plutôt très fin. Ah. C'est pas moi quoi. Avant, je faisais 48 kilos. Wouah, je fais le double, mec. Donc ça allait. Maintenant, j'en fais plus. Ah bon, j'étais en dessous. Ok. Moi, à l'époque, alors, je vous parle de ça il y a un bon bout de temps, hein, mais j'ai failli pour une soirée. Ça aurait pu se terminer en cosplay, même si c'est pas trop mon délire et mon univers. Mais j'ai failli faire un cosplay pour une soirée d'un personnage de jeu vidéo qui me correspondait pas mal et où j'avais pas trop à me forcer. Alors, mais j'ai abandonné l'idée pour une raison à la con, c'est que bah, y avait trop peu de gens qui connaissaient ce perso là et puis ça aurait plus fait chier qu'autre chose. C'était, alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent pourquoi je cherche là en fait, c'est... je vais prendre une Black Rune. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu vidéo Onimusha 2? Et je pense qu'en disant ça, vous allez assez vite du coup deviner qui est-ce que j'aurais pu faire si vous connaissez le jeu. Ça me fait rire tout seul. Ok. La Black Rune. Non, ça non. Oh là, le run gratuit quoi. Du bien, le run détente, le run de l'amour, le run chaud. Eh, caca, voilà, merci. Personne connaît? Non. Vous me décevez là. Pas possible. Là. On va faire péter ça. Encore. Encore. Je connais le jeu, mais je me rappelle pas des persos. Ah bah tant pis. C'est le personnage à la lance. Le moine à la lance.
Oui, c'est lui. Bien joué de trouver. C'est dans le 2 ou le 3, Jean Reno? Jean Reno, c'est dans le 3. C'est celui que j'ai pas fait. Onimusha 2, il était bien comme jeu, en vrai. Il était génial. Il était long, il était complet. Le seul truc qui allait pas, et qui rebutait beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est sa maniabilité. Il a une maniabilité, en fait, à la Tomb Raider. C'est-à-dire avant et arrière, c'est avancer, reculer, et gauche et droite, c'est pivoter gauche, pivoter droite. Mais c'est pas aller à gauche, aller à droite. Du coup, ça... Genre l'autre vert. Du coup, ça en butait pas mal, ça. Il y avait beaucoup qui ont tiré la gueule à cause de ça. Olé ! Putain, il saute vachement haut, Frail ! Waouh, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Ah, j'avais plus le souvenir qu'il allait... Oh ! Il allait aussi haut. Putain, cool ! Yes ! Oh, Brother Baby, c'est nul. Ah, puis si je me barre, il va disparaître. Oh, bon, allez. Cela dit, un petit remake de Onimusha 2, ce serait pas mal. Ah. Oh, tu me tentes. C'est vrai qu'Onimusha 2, c'est un putain de jeu. Faire Onimusha 2, moi, ça me saucerait grave. Ah, je serais... 1000, à 1000% derrière. On se fait un petit 100% de Onimusha 2. C'est pas... Ou alors si, en vrai, c'est quand même vachement long, parce qu'il y a tous les cadeaux et tout ça, machin, mais... Ce serait trop bien, ça. Ah oui, antidépresseur, oui. Je comprends. Je comprends. Ah, mais je te suis si tu fais Onimusha 2. Ah, mais carrément. Carrément. Mais 1000 fois. Pourquoi je suis revenu ici? Ah oui, non, en fait, c'est pas là que je voulais aller. Ah, vous voyez? Je suis tellement saucé et détendu. Et on est tellement bien ensemble, les amis. Vite, faut que cette run finisse parce que je me fais peur moi-même. Non, je vais récupérer une des... Ouais, bon. J'utilise parce qu'il me fait chier à être sur mon chemin. Black Rune ou Change? Change. The Wind of Change. C'est moisi. De toute façon, maintenant, tu as eu... Une run antidépresseur? Non. Les sous-sortis de répresseurs, c'est pour ça que tu as été tendu. Mais non, mais pas moi, je lisais. Oh. Non, je ne suis pas sous-antidépresseur. Merde, quel con. Je suis trompé de chemin. Oh, débile. Allez, maîtrise. C'est la maîtrise du Isaac, parce qu'on est détendu. C'est la maîtrise Shonen. Run Tranxen. Ah non. Ah non, c'est moche, ça. T'es sérieux? Oh putain, t'es sensible comme garçon, toi, hein? La vache! Première fois que j'entends ça. Je vais pas le dire à voix haute, parce que sur un OD, j'ai pas envie que ça assasse. Enfin, je veux dire... Ah, t'as de la chance que je sois pas taquin et que je sois dans une... sur un run détendu. Sinon, j'aurais été un peu taquin quand même. Hein. Je t'aurais un peu taclé. Un petit rocher marqué. Ah, cœur clé. Oh. Putain, on va rester avec 2,27 de force. Non, faut pas que j'y suis, putain. C'est un run tranquille. On va rester avec 2,27 de force jusqu'à la fin. Hein. Oh! Bah maman, qu'est-ce que tu fais là? Merde, j'ai l'ongle! Oh non, 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 non! Je t'enlève. Putain, j'avais pas vu que j'avais récupéré l'ongle. Merde. L'ongle de pied, là, l'ongle. C'est simple, il y a maman qui arrive de façon random pour buter un ennemi à l'écran. Et s'il n'y a pas d'ennemi, bah c'est toi qui prends. Donc non, c'est juste l'un des pires... L'un des pires trinkets. What?
Oh, mais vous êtes... C'est quoi? C'est parce que... c'est parce que je suis heureux que vous avez décidé d'être tous des dépressifs, là, dans le chat, ou quoi? Ah, si c'est ça, je redeviens un connard, hein, vous inquiétez pas. Allez, vous inquiétez pas. Après ce run-là, on a bientôt fini, je redeviens un enfoiré de première. Je vous en prie. Ouais... Non. Oh... Je voulais autre chose. Ben oui. Ah, vite. Alors, il faut que je finisse vite. On exorcise le malheur. Ah bah ouais, bah, putain. Ça te réussit pas. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais vite à la sortie. Super Pride. Qu'est-ce que c'est? C'est la pété. Tiens, donne-moi une bombe. Ok. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un 2 de cœur. Ça sert à rien. On en parle parce que tout va bien. Ah! Non, en vrai, je respire la joie de vivre. J'ai réussi mon examen pratique. Ah! T'as réussi ton examen pratique. Examen pratique de quoi? Je crois que tu nous avais parlé, non? Tu me l'avais dit, peut-être. Ça me dit quelque chose. Enfin, pas que tu ailles réussir, mais que t'avais un examen. Oh, 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 oh. Hop, 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 hop. Ok. C'est bon. C'est bon. Voilà. Merde, c'est pas grave. Là, 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 mais quel run simple, quel run beau. J'aime ma vie. J'ai un immense désir de vitalité. Ah, si vous avez cette référence, vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Yes. Allez, au revoir, maman. Fini la run tranquille. Qu'est-ce qu'on s'est amusé? Et hop, je le prends juste parce que c'est la fin. Tac. Et voilà. C'était un run tranquille. On a gagné le robot Baby 2.0. Du coup, YouTube, regarde ce qu'on a gagné. Nous étions... Nous avons à 273 secrets. 273 secrets, ça fait plus un. Et challenge, 7 challenges robots. Bravo. Incroyable. Vous inquiétez pas, prochaine VOD, je redeviens un gros connard. Allez, tu mets un pouce si t'as kiffé, sinon ça, et je te dis à la prochaine. Ciao.